Vous le savez sans doute, la grande majorité des ados manque de sens et de confiance. Ils préfèrent s'isoler plutôt que de parler à un proche. Alors comment communiquer avec son ado qui ne va pas bien? Comment lui redonner confiance et sens dans les apprentissages? Le reconnaître, lui dont le corps, le cœur et le cerveau sont en pleine mutation? Je suis convaincue d'une chose, il faut d'abord se connaître soi-même et s'accepter tel qu'on est avant d'entrer en relation avec l'autre. Et si l'adolescence de nos enfants nous renvoyait à la nôtre? Je suis Hélène Liquier, professeure de français depuis 25 ans et facilitatrice relationnelle avec la méthode Imago. Je suis également mère de 4 enfants, dont l'un est porteur d'autisme, et avec lui, j'ai appris la patience, la confiance, la persévérance, la ténacité, bref, une certaine forme de résilience. Je peux vous aider, vous et votre ado, en lui redonnant sens et motivation dans les apprentissages pour qu'il prenne conscience de ses talents et compétences, en vous en écoutant l'un et l'autre afin d'obtenir une relation plus apaisée et pour apprendre à communiquer, et en lui proposant des ateliers de confiance en soi grâce au théâtre. Mais je voudrais aussi accompagner des adultes et d'autres groupes, et notamment en entreprise, pour améliorer les qualités de relation au travail. En effet, je voudrais vraiment pouvoir ouvrir mon expérience à d'autres sphères sociales afin d'améliorer à mon échelle la qualité des relations humaines. Je vous remercie de votre attention.